fête du travail célébrée par la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Une fête pourtant particulière, célébrée à la Maison du Peuple de Saint-Gilles, 2 mois après les attentats qui ont marqué Bruxelles. Ce sont des moments exceptionnels que nous vivons, mais en même temps, on ne peut pas baisser les bras parce qu'il faut continuer à défendre à la fois sous le plan socio-économique, sous le plan culturel, sous le plan du vivre ensemble, ce modèle bruxellois qui a été attaqué le 22 mars dernier. Et donc plus que jamais, il y a du pain sur la planche. Le travail et surtout la défense des travailleurs restent le fer de lance du Parti socialiste. Dans les discours, sans surprise, les critiques à l'encontre du gouvernement fédéral se font entendre. Avec la politique du gouvernement fédéral, on a un taux d'emploi qui diminue, contrairement à tous les autres pays d'Europe. Nous sommes les seuls avec la Finlande à avoir une situation aussi difficile. Et donc nous allons repartir avec des propositions concrètes. On va offrir 800 contrats par an à des jeunes, des contrats d'un an pour les sortir du chômage de longue durée, et on fera des zones zéro chômage. Et puis notre thème principal va être aussi la réduction du temps de travail, l'opposé du gouvernement fédéral qui propose de porter la semaine de travail à 45 heures. Des discours, des propositions qui séduisent un public conquis d'avance. C'est le parti qui rappelle que tout n'est pas encore gagné, que la lutte est encore longue, que on est toujours là pour les travailleurs, que vraiment c'est pas terminé. Pour le moment, le PS descend dans les sondages, mais je pense que justement il faut réaffirmer ses valeurs. Le vivre ensemble, la richesse d'une société multiculturelle, la solidarité avec les réfugiés ou encore la lutte contre le racisme et les discriminations ont aussi été les thèmes mis à l'honneur lors de cette matinée. Environ 300 militants se sont déplacés ce dimanche pour écouter les socialistes bruxellois.